Rebonjour. Après la séance de fac que nous venons faire, nous allons poursuivre par une petite relaxation et un stretching. D'accord? Allez, voilà, nous allons nous placer sur le tapis. Je t'invite à enlever tes chaussures, tu seras beaucoup plus à l'aise. Même tes chaussettes. Tu vas te placer en tailleur. Allez, les épaules basses, la nuque haute, on est sur la pointe de nos fesses. Allez, on inspire profondément par le nez et tu expires par la bouche. Encore, tu inspires et tu expires, tu souffles. Toujours en inspirant, tu vas tourner la tête vers ton épaule, souffler. Tu inspires et tu reviens en face. Et tu changes, tu inspires et tu expires. On revient en face, on inspire et on expire. Encore une fois, de chaque côté. Et on relâche au centre, on souffle. On a les épaules basses toujours. Tu ramènes moins ton clavicule. Et tu enroules la tête, les épaules, tu te laisses glisser sur la banque, tout doucement. Déroule lentement ton dos. Tu vas tendre une jambe. Gardez l'autre fléchie croisée devant. Enroulez le bras opposé à la jambe. Tirez genou poitrine, être bien sur la pointe des fesses. Posez votre main droite vers le fessier droit. Redressez le buste. Pivotez, regardez derrière l'épaule, derrière vous. Imaginez qu'on vous tire par le haut du crâne. Tire genou poitrine et pousse la fesse dans le sol. Et tu relâches. Tu peux garder cette position ou pour accentuer l'étirement, tu ramènes le talon vers la fesse. Tu t'auto-grandis, tu tires toujours genou poitrine et tu pivotes. On inspire bien, on souffle bien. Décolle pas ta fesse, pousse vers le talon. Tu reviens face. En douceur, tu pivotes, mets en position de sirène, on inspire, on tire les bras vers le ciel, tu bascules sur le côté, tu regardes sous ton aisselle. Tu reviens au centre, tu relâches, tu repars, tu inspires, pense à relâcher tes épaules, souffle bien, tu t'auto-grandis. Tu pivotes, tu inclines sur le côté. Continue à pousser vers le ciel. Tu relâches. Tu passes deux profils. Un genou au sol, jambe tendue derrière. Tu redresses le buste. Et tu vas aller chercher ton coup de pied. Tu ne restes pas sur la pointe du genou. Tu fermes l'épaule et tu tires ta longue fesse. Tu pousses ta hanche vers le sol. Tu redresses le buste, tu serres le ventre, tu tires ta longue et tu relâches le souffle. Encore, on inspire, on tire. Et on relâche. Encore une troisième fois, on inspire, on tire, on tire. Ferme l'épaule, pousse la hanche.
peux rester dans cette position-là. Hein. On relâche en douceur. Tu ramènes les mains sous tes épaules. Tu bascules les genoux sous tes hanches. Et tu fais un joli dos rond, rentre devant ta tête. Dos plat, tu allonges. Tu formes une chaise, tu retournes les orteils. Avant de pousser les fesses du coccyx vers le ciel, tu vas décoller les genoux. Tu vas engager ta tête entre tes deux bras et pousser dans les paumes de main. D'accord ? Tu as les jambes fléchies, largeur du bassin ou pieds serrés, selon ce que tu peux. Et ensuite, pousse coccyx vers le ciel. On allonge son dos, tête chien en bas, quatre pattes. Pose les talons si tu peux. Passe sur demi-pointe. Et repousse talons au sol. On fléchit, on ramène genoux au sol. On allonge les bras devant et tu viens en position de l'enfant. Les bras le long du corps. Tu inspires profondément et tu souffles profondément. Tu laisses l'air envahir tes poumons, le ventre et tu relâches. Encore. Tu déroules tout doucement le dos. Vertèbre après vertèbre, change tes épaules. Tu laisses aller la tête sur le côté et devant. Sur la clavicule. Sur l'autre épaule. La clavicule. On revient, on redresse la tête. On se replace face. Et on reprend en tailleur. Cette fois-ci, on inspire bien, on souffle bien, on relâche bien les épaules de nouveau. On inspire, on pivote, on peut fermer les yeux et on expire, on souffle au centre. Encore, tu inspires. Tu reviens, prends ton temps, on change, on inspire, on pivote sur l'autre épaule. Et tu reviens, tu souffles. Voilà, fais-le à ton rythme. Prends du temps pour toi. Ramène le menton clavicule tout en gardant les épaules basses, la nuque haute. Et tu te laisses glisser sur l'avant, tout doucement, dos rond. Tu relâches tes épaules, la tête. Tu prends de grandes inspirations, tu expires bien, tu souffles bien. On déroule lentement son dos. Et tu vas tendre la jambe croisée. Tu te places bien sur la pointe des fesses. Tu tires genou poitrine. Tu attrapes. Tu t'auto-grandis. Tu pivotes, tu prends appui sur la main. Tu regardes derrière toi. On inspire bien, on tire et on repousse en même temps. Voilà, bloque pas ta respiration, laisse-toi aller tout doucement. Tire et pousse en même temps. Et tu relâches en douceur. Reste dans cette position, on ramène le talon vers les fessiers. Tu restes bien sur la pointe des ischios. Ramène genoux poitrine. S'auto-grandis de nouveau. Prends appui. Et on tire. Et tire ici ou là. Ou encore, comme tu peux. Hein. Et là, tu pousses bien la fesse vers le sol, tout en tirant genou poitrine et en t'auto-grandissant. Allez, encore un petit peu.
souffle bien. Et tu relâches. On va passer en sirène. Une jambe fléchie devant, une derrière. On inspire. On pousse vers le ciel. Pense à relâcher les épaules. Pivote. Et regarde sous ton aisselle. Tu inspires bien, tu souffles bien. On revient. Tu relâches. Et on y retourne. On se place toujours bien. On inspire. On attrape ses mains, on tire vers le ciel. On bascule sur le côté, on regarde sous le bras et on continue à pousser. Attention de ne pas te laisser aller, hein. Redresse-toi. Relâche tout doucement. Tu passes de profil. Tu éloignes bien le genou loin derrière. Appuie devant. On va chercher. On peut attraper son pied avec un élastique, une serviette, ou rester dans cette position et redresser le buste et pousser la hanche vers le sol. Allez, on tire talon fesses. Reste pas ouvert, on ferme. On inspire bien, on souffle bien, on monte le coude vers le ciel. Et on relâche. Va chercher un élastique ou une serviette, hein, n'hésite pas. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. On ne reste pas sur la pointe du genou, hein. Pousse, pousse, pousse. Ferme la hanche. Et tu relâches. On refait une troisième fois. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Tu relâches tout doucement. Ramène tes mains sous tes épaules, les genoux sous les hanches. On refait le chat, le dos rond. Tu absorbes le nombril. Pose dans tes paumes de main. Menton clavicule. Et tu relâches, souffle. Tu allonges le dos en position neutre. Bascule sur tes orteils en ours, tu décolles juste les talons. Ensuite, tu engages la tête, tes bras, entre tes bras. Là, tu dois avoir le dos bien plat, tu le reposes dans les paumes de main. Et si tu peux, tu tends les jambes, tu engages coccyx vers le ciel. Passe sur demi-pointe. Et rebascule talon sol. Sens bien l'étirement derrière. Chaîne postérieure. Tu fléchis. Passe sur demi-pointe. Pose genou au sol. Position de l'enfant, les bras le long du corps. Front au sol. Ouvrir tes hanches, tes genoux, tu peux être à l'aise si tu veux. Tu relâches tes épaules, tu inspires profondément, tu souffles profondément. Voilà, ne t'arrête pas. Tu gardes juste le temps, c'est bon. Continue. Et tu déroules lentement ton dos. Vertèbre après vertèbre. Tu vas basculer devant. Sur tes pieds. Poser les talons au sol. Ouvrir bien la cage thoracique. Le buste est sur tes cuisses. Pose tes mains au sol, sur les pieds ou les tibias. Et tu vas tendre les jambes. Attention de ne pas me faire dos rond, hein, pas dos rond, essaye d'avoir le dos plat et on tire genou poitrine. Tu fléchis et tu déroules lentement, vertèbre après vertèbre.
et on va redescendre. On va ramène ton clavicule. Tu enroules tes épaules, tes jambes souples. Tu te laisses glisser, emmené par la pesanteur au sol. Et même principe, tu attrapes pieds serrés cette fois-ci. Tu attrapes tes chevilles ou les mollets. Tu pousses coccyx vers le ciel. Tire genou poitrine. Tu fléchis, tu déroules. Tu vas attraper tes mains derrière, tes jambes souples, redresser le buste, le ventre, tirer et relâcher. Encore, tu inspires, tu tires, tu redresses le buste, tes jambes souples. Et tu relâches. On aspire vers le ciel. On pointe, montagne en extension, serre les fessiers, serre le vent. Tu ouvres les bras en croix, tu plantes ta jambe, choisis laquelle comme tu veux. Petit peu d'équilibre. On aspire, on monte. Pied flex. Tu amènes talon au sol, les deux genoux sont l'un vers l'autre et tu vas descendre dos plat, main vers la hanche, main vers le pied ou vers le tibia, pousse bien sur l'arrière ou au sol. On inspire, on monte, on se grandit, on expire, on souffle, pied flex. On fléchit la jambe d'appui, tu poses le talon, pousse pas sur l'avant, pousse bien sur l'arrière. Ensuite, tu vas chercher le pied, le tibia ou le sol. On inspire bien, on souffle bien. Ramène les deux mains l'une vers l'autre, dans la même position. Fléchis les deux jambes, pieds serrés, et tu tends. Et on tire genou poitrine. Tu fléchis, tu déroules lentement. Monte, on inspire, montagne en extension. On expire, on souffle, on relâche les épaules. Tourne les bras en croix. Tu engages l'autre jambe, tu relâches les épaules. On inspire profondément, on souffle profondément, on stabilise. Tu inspires, tu montes, tends la jambe, pied flex, tu la baisses. On allonge légèrement le buste. Hein. Et ensuite, on va chercher avec le bras opposé à la jambe. Pousse pas le genou sur l'avant, pousse bien sur l'arrière. Bloque pas la respiration, on inspire bien, on souffle bien. On repousse le sol avec le talon, en même temps qu'on pousse sur l'arrière. Toujours pied flex, les orteils vers toi. Tu déroules, tu remontes, tu stabilises. On inspire, on relâche les épaules. On expire, on souffle, pied flex. Talon sol, rebascule bien le bassin. Et là, on va chercher. Et on reste. On inspire profondément, on souffle profondément. Laisse glisser la main le long de ta jambe, tu restes. Tu fléchis, tu reviens, pieds serrés. Tu tends les deux jambes. Tire genou poitrine, tu fléchis, tu passes genou au sol, une jambe après l'autre,
en tailleur. Les mains reposent tout doucement sur les jambes. Paume de main ouverte si tu veux vers le ciel. Tu relâches tes épaules. Les mains à plat sur les genoux. Et tu laisses aller la tête sur le côté de nous. C'est la fin de la séance. Laisse-toi aller. Tu inspires bien, tu souffles bien. Relâche les muscles du cou. Tu es bien, détendu. Amène-moi ton clavicule. Inspire profondément et souffle. Encore, tu inspires. Et tu expires. Tu peux ouvrir tes petits yeux si tu les avais laissés fermés. Eh bien, mes amis, la séance est finie. J'espère que ça t'a plu, surtout après le fac ou après le travail aussi, c'est pas mal. Je te souhaite une bonne journée et te dis à bientôt.